Get on back and wait away. Te va lo mero chulo. Monsieur le maire, alors aujourd'hui on découvre Claré, alors un autre aspect de Claré avec des activités nature, avec le FAN qui est organisé par la communauté de communes qui cette année prend racine à Claré. Alors Claré a de multiples atouts pour attirer le FAN. Ben oui, bien sûr, hein, on a un environnement exceptionnel, la place du village est suffisamment aérée. Et puis le parc, hein, où on a pu voir un spectacle dans les arbres, qui était magnifique. Moi, je profite de votre présence, hein, puisque vous me donnez la parole, pour remercier la communauté des communes, son président, bien sûr, Alain Barbe, mais aussi Michel Lernoux, la vice-présidente aux activités de pleine nature, qui a un peu délocalisé le FAN, puisqu'il était venu à Claré il y a déjà quelques années, puis il s'était installé à Saint-Sauveur. Et puis là, il revient sur Claré et on est particulièrement heureux d'accueillir ce festival d'activités de nature. Parce que, comme vous venez de le dire, notre environnement s'y prête particulièrement. Alors, des activités multiples, puisque vous avez même la chance, et je crois qu'il n'y a pas beaucoup de communes de la communauté de communes qui ont un petit lac. Alors, on a une retenue collinaire. Ce n'est pas un lac, c'est une retenue collinaire qui a été... mise en place, enfin qui a été faite par un de mes prédécesseurs, Christian Jean, dans les années, début des années 80, il avait pressenti que nous aurions des problèmes avec le climat. Et donc, il avait, avec l'aide du département, il avait fait cette retenue collinaire pour irriguer les cultures, les vignes, et la municipalité de l'époque avait financé un bout de réseau pour amener l'eau, pour arroser le stade. Et ça a permis aujourd'hui de faire du canoë et de la pêche. Exactement, ça a permis de faire du canoë et de la pêche. Alors là, il y a tout un tas d'activités, des filets, des grimpes d'arbres, du labyrinthe. Enfin, il y en a pour tout le monde, pour tous les âges. Voilà, exactement, il y en a pour tout le monde, pour tous les âges. Mais à Claré, déjà, on pouvait pratiquer de la randonnée, du trail, du VTT, de l'escalade, du vol à voile. Et toutes ces activités, que je vais dire, toutes ces nouvelles activités, elles sont les bienvenues chez nous, mais elles doivent trouver leur place avec les activités plus traditionnelles que sont la chasse ou la pêche ou la cueillette de champignons. Et moi, mon vœu, c'est que toutes ces activités puissent s'y pratiquer en toute quiétude et qu'on respecte notre environnement naturel et les gens qui y pratiquent. Et puis vos gîtes que vous êtes en train de développer. Alors là, c'est l'environnement parfait pour des gîtes. Exactement. Là, il y a les gîtes dans la maison du parc. Il va y avoir une deuxième tranche de travaux. Et effectivement, on pourrait très bien imaginer que des gens viennent randonner, fassent le tour du Pic Saint-Loup, qu'ils fassent une halte à Claré, qu'ils viennent dormir dans les gîtes, ou des gens qui viennent escalader, puisque le site d'escalade est assez réputé. Et puis en plus, le temps toujours beau à Claré. Et à Claré, il fait toujours beau, je vous l'avais dit, je vous l'avais promis, et ça se vérifie. Ça montre qu'on peut faire autre chose que rester à rien faire et que je trouve ça cool qu'ils fassent ça dans les petits villages. Et du coup, moi, je trouve que c'est très intéressant parce que les jeunes d'aujourd'hui, ils ont plutôt tendance à rester sur leurs écrans que sortir dans la nature, profiter et tout. Madame la vice-présidente, alors aujourd'hui ce FAN qui a été délocalisé puisqu'il est à Claré, vous venez de souligner l'importance de ces activités nature. Oui, ces activités nature, il y en a énormément sur notre territoire, tout simplement parce que les paysages s'y prêtent. Nous avons un territoire d'exception
pour justement pouvoir pratiquer différentes activités. Ça peut être l'escalade, ça peut être le canoë, ça peut être le vol libre, ça peut être le trail, etc. Puis j'en passe, il y en a énormément. Et il y a de nombreux sites qui sont ouverts. Et le but du FAN, c'est justement de faire découvrir toutes ces activités.